vous êtes partout. Sous la pluie, mais... Sous la pluie, mais... Ah ouais. Louis, c'est une victoire à l'arraché pour ton village mystique. Il a fallu quand même qu'il bataille. Ça s'est ouvert un peu tard. C'est un cheval qui est mieux accéléré 400-500 que 200. Mais bon, il le fait toutefois pas mal. Bravo, Loulou. Ah, merci, Guillaume. Et il sait pas quoi faire pour être dans le bêtis, il est dans le bêtis. Bon, on en revient à la course. T'es venu devant aux tribunes, un petit peu par la force des choses? Ouais, absolument. Je me doutais qu'il allait y avoir un peu des relais, mais on a fait des relais sans aller très vite, donc on n'a pas brûlé trop de kérosène à ce moment-là. Comment tu l'as trouvé par rapport à la dernière fois? Bon, je le trouve aussi bien, hein. C'est un cheval facile, il est très détendu dans le parcours, donc voilà, là l'ouverture s'est fait un peu tard pour lui, quoi, mais je l'ai trouvé aussi bien. Alors tu as déclaré à nos confrères de Paris Turf que sitôt cette course-là, on allait directement sur le critérium des 5 ans, tu confirmes? Oui, je confirme les dires de Paris Turf. Franck, c'est les boules d'être battu de si peu avec Swedishman. Ah ouais, c'est toujours rageant d'être battu de si peu, surtout qu'il a supporté tout le poids de la course. Ah, c'est un cheval qui aime bien y aller devant, hein, donc faut pas regretter d'avoir été devant, au contraire. Hein, c'est un cheval qui est quand même beaucoup mieux quand il est tête corde. Bon bah c'est dommage, il a poussé un petit peu à droite, c'est ce qu'a fait gagner Louis. Quoi. Il a eu le jour au bon moment. Mon cheval ne démérite pas, il a fait une très belle ligne droite, hein, il a bien tenu sa partie, hein, je suis très content de sa course. Ouais, en Suède, tu aurais pris 2 mois de mise à pied pour avoir poussé à droite. Ah bah je sais pas. Heureusement qu'on a pas ça en France parce que je crois qu'on serait souvent arrêté. Mathieu, tu dois être satisfait de la ligne droite de victoire. Oui, c'est très très bien. Elle a fait illusion pour la victoire. Après, il y a manqué la vraie course. Et les deux autres qui sont devant, c'est des très bons chevaux. Village Mystique, ça va être un des favoris au critérium, donc c'est de bonne occasion pour nous. Ouais, on a l'impression là, que la jument, elle refait une super valeur. Ouais, elle fait une bonne valeur, il n'y a pas eu de train, elle a bien fini, elle a bien sorti. Quand je suis sorti du dos de Vagabond du Mag, elle l'a bien doublé. Moi, je suis entièrement satisfait. On va aller sur le prix jockey en espérant qu'on monte encore de conditions pour le quatrième. On est dans le bon timing avec elle alors. Ouais, pour l'instant tout se passe comme prévu, j'espère que ça va continuer.